Bon, les mecs, aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour Nadim. Je viens juste de l'appeler. Il va arriver. Je vais lui annoncer la surprise en même temps qu'à vous. Et à voir, mec. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as ça sur le tour de la bouche là? C'est un yaourt grec? Non, c'est de la crème. Stylé ta coiffure, j'aime bien. T'es un mélange entre gars du quartier qui vient de taper un foot et daron de famille avec trois enfants. C'est quoi ce pull là? Et vas-y frère, avec ta glace à la vanille autour de la bouche là. J'ai une petite surprise pour toi. Par contre, tu vas aller me suivre ce yaourt grec là autour, frère, c'est bon? Mais non, mais c'est de la crème Nivea! C'est de la crème Nivea! Nivea? Parce que j'ai mal à la lèvre. Ah. Mais frérot, avant que la vidéo commence, je sais que j'ai beaucoup de BG sur Instagram qui me disent qu'ils aimeraient se lancer sur YouTube mais qui n'y connaissent que dalle en montage. Là par exemple le décor vient de changer mon frérot. Calme-toi, c'est pas de la magie, mais grâce à Filmora par contre je peux t'aider à faire ça. Regarde, déjà pour cet effet c'est super simple. Pour commencer il te faut un sujet principal. Donc ici mon frérot t'as capté c'est moi. Et puis avec ça un décor. Une fois que c'est bon, tu double-cliques sur le sujet. Tu vas dans outils d'IA, regarde c'est juste là. Et on va utiliser la fonction découpe intelligente mon frérot. Là je vais double-cliquer sur moi. Ça va permettre de charger tous les mouvements que j'ai effectués dans la vidéo. Une fois que c'est terminé on enregistre. Et je suis maintenant parfaitement dans le décor, c'est incroyable. Bon comme vous l'avez vu les frérot, c'est vraiment très facile à prendre en main, c'est parfait pour les débutants. Et en plus, les frérots, ils viennent de sortir une nouvelle version 12 qui contient encore plus d'effets, plus de modèles et encore plein d'autres ajouts, les gars, que je vais vous laisser découvrir quand même tranquillement. À une version d'essai gratuite à vie. Bon, après, je sais qu'il y a des gros gamers, les gars. Pour ceux qui veulent faire des petits montages sur des jeux, je vais vous montrer ça rapidement, ça va être vite vu. Pour commencer, vous pouvez enregistrer votre écran juste ici, les gars. Vous pouvez ajouter une image sur votre écran et bien sûr, zoomer, dézoomer sur ce que vous voulez. Également, faire un suivi de mouvement et des écrans divisés. Et les refs, ce qui est vraiment très très cool, et je sais de quoi je parle, c'est le MediaStock qui vous permet d'utiliser des musiques de fond libre de droit. Merci à Filmora d'avoir sponsorisé la petite vidéo. N'hésitez pas, mes frérots, à télécharger le petit logiciel dans la description ou dans les commentaires. T'as plus d'excuses, mon frérot, pour pas participer au prochain essai de ne pas rire au montage des abonnés. Quel joueur de foot t'aimerais bien voir jouer au foot, toi? Tu sais, genre, tu vas dans un stade et tu le vois jouer. Muchas gracias, aficion. Je t'ai pas la merci beaucoup à tous. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Si. Si. Oh mais le su, tranquille. Vas-y. Si. Donc aujourd'hui, Nadim, j'ai une petite surprise pour toi. Je vous ai réservé deux petites places pour aller voir un match de foot. J'aime pas trop beaucoup ça. Les voir? Tu les vois les deux places là devant tes yeux? Voilà, elles sont là. Tu vas aller voir le premier match de ta vie, mec. Dans un vrai stade de foot. C'est la qui? Ça va être quel combat? Ça va être qui contre qui? Ça va être quel combat? Non, ça va être qui contre qui? Bah, toi, tu veux voir qui? C'est toi qui choisis, hein. CR7? Bah, voilà, il y aura CR7. Bah, non, tu me. À ton avis, j'ai pris quoi comme match? France? Non. Contre Portugal. Tu crois? Non mais déjà Nadim s'il te plaît, fais marcher ton cerveau 2 minutes. C'est quoi notre ville? Dijon. Donc logiquement c'est qui va jouer? France. C'est la France? Non. C'est PSG. Ok. Nadim, notre ville c'est quoi? Dijon. Donc c'est qui va jouer? Je sais pas. Nadim, notre ville c'est quoi? Dijon. Donc logiquement c'est qui? Je sais pas. Ça, je pense que c'est la crème fraîche. La crème fraîche, elle t'enlève ton cerveau. Mais non! Si on est dans Dijon, c'est Dijon qui va jouer? Je viens pas. Je vais te dire un truc qui va te remonter le moral. Parce que là t'as pas trop envie d'y aller, ça se voit, non? Là-bas il y a une buvette, des frites, des hot dogs et boire plein de coca. Et j'ai un copain qui travaille dans la buvette. On y va? J'arrête. Vas-y, je vais aller me préparer. Vas-y, bah va te préparer. Du coup, le match, Dijon contre, essaie de deviner contre qui? Al Nassr. Bon, certes, c'est pas un match incroyable, mais moi je voulais t'emmener voir ton premier match. Tu vas voir l'ambiance, les joueurs, le terrain, comment il est beau, etc. etc. Ok? Tu vas mais moi je veux jouer dans le terrain. Mais t'as fait mais quelle branche de l'herbe, toi? Peut-être. Bref, Nadim, va te préparer. Enlève la crème anglaise autour de ta bouche. On se retrouve en bas de la voiture, c'est bon? 3, 2, 1, go. Vive la buvette. Les mecs, ça y est, on est dans la voiture. Faut vite partir. Nadim, il est équipé. Énervé l'écharpe. C'est l'écharpe de qui? Ah. On dit que c'est Dijon, c'est pareil. C'est bon? Allez, vas-y. Allez, let's go, les refs. Avant d'aller au match de foot, vous voyez où est-ce qu'on est? On est à Intersport, au GoSport, ou je sais pas lequel. Bref, on s'en fout. Nadim, écoute. Les abonnés, je sais pas quand ils verront cette vidéo là. Vu que t'as fait un bête de match la dernière fois, Nadim, ça a été filmé, vous le verrez les refs. Je pense que vous l'avez déjà vu normalement. Ben Nadim, tu peux choisir un t-shirt de foot que tu veux. Mais normalement, écoute, on va voir quel match. Dijon. Donc prends peut-être un t-shirt de Dijon, non? Tu reviens vers moi, je garde la surprise, c'est bon? Et tu vas le mettre pendant le match, mec. Bon, je me demande vraiment quelle équipe va prendre. 15 minutes later. C'est court, elle veut me donner. Nadim, non, écoute-moi, je t'ai dit de prendre un t-shirt de foot. Je m'en fous. Mais gros, mais t'as pris quelle équipe? C'est même pas t'as pris qui? C'est qui comme équipe? Je sais pas. Mais est-ce que c'est qui? Non. C'est quoi, moi ça m'arrange, hein, je m'en fous, ça coûte moins cher. Bon, et bah les frérots, ça y est, ça va être direction le stade Gaston Gérard, il s'appelle comme ça, Nadim. Donc là, ça veut dire que tu vas aller au stade avec l'écharpe de Lille et une gourde de Lyon. Oui. Ça te semble logique là? Bref, les refs, on prend la voiture et let's go, Nadim. Avec la gourde de Lyon. Ah, apparemment, Nadim, j'ai pas fait exprès, mais je crois que j'ai pris des places VIP. Qu'est-ce que ça veut dire, VIP? Ouais, ça veut dire. VIP, ouais. Ouais, c'est bon, je sais. Je crois là, il nous reste à peu près 22. Non,
Mais arrête de dire n'importe quoi, frère, il y a 6 minutes. Dans 6 minutes. Et moi, j'attends que la buvette. Gros sac. Les frérots, ça y est, là, on est arrivé. Le stade, il est juste là. Je crois que vous voyez les petites lumières derrière. Wow. Nadim, c'est bon, les chats? Viens voir, viens voir. Il y a un avion. Mais Nadim, on s'en fout. Donne-nous un petit pronostic à la fin du match. Je te parie 2-0. Pour France. Nadim, est-ce que t'as vu des joueurs que tu connais déjà? Messi. Comment ça, mon ref? Didier. Toujours en 93. Poussez-nous. Numéro 8. Mickaël. Il faut dire le nom de famille. Et le numéro 10. Chandler. Il a Messi là. Nadim, il n'y a plus de fric. Le match, il n'a pas commencé. Les gars, en vrai de vrai, il fait moins 40, c'est une dinguerie. C'est qui les blancs? C'est les Français. C'est les Français. Et là-bas, c'est les DFCO. C'est les Français. Et là-bas, c'est les DFCO. Donc, DFCO contre les Français. On commence à tout doux. Voilà, ça y est, frère, tiens. Regarde ce qu'il reste. Ça va, hein? T'as vu, mec, comment ils jouent? Est-ce que tu joues mieux, toi? Ouais. Si je dis pas de bêtises, là, je crois que c'est la 25 ou 26e journée. Ils sont un peu dans le caca, Dijon. Il faut qu'ils soient en train de jouer le maintien. C'est la Ligue 2 en plus. S'ils perdent, ça va commencer à être tendu. T'as compris? Ouais. Si ils se rapprochent, j'écris oh, Messi! Vas-y, s'ils se rapprochent, tu le cries, ok? Ok. Vas-y. C'est qui, lui? C'est qui, ce type? Oh, Messi, je t'adore! Vas-y, tu lui dis ça. Messi, c'est lui. C'est Messi. Mais c'est pas moi. T'as dit une occasion? Nope. Non! Ça, tu l'as remarqué? Ouais. Ça, t'apprends et tu le refais en match. Okay. Un jour tu vas les manger, mec. Je suis pour la France, moi. T'es pour la France? Oui. Nadim, mais Messi, mais Messi. Là, devant toi. Mais c'est pas moi. Oh là 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 là, t'as vu comment ils ont joué, Nadim? La mur pour le penalty. C'est un coup franc, Nadim. Dommage. C'est vraiment moins 40, c'est une dingue. Comme ça, on quitte le stade. Ouais, arrête, c'est un ouf. En fait, t'es pour celui qui gagne. Ouais. Ok. Allez. Oh là 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 là. Oh là là. Let's go. Bon but ou pas, Nadim? Tu penses que tu peux le mettre, sûr? Facile. 1-0 pour DFCO, les gars. À la combien de chèmes, Nadim? À la 21ème minute. Hein? Ça se finit quand? Ça se finit à 90ème. Et c'est pas une blague, c'est pour de vrai. 90. Faut que tu défendes comme ça, Nadim. C'est ton poste. Oui. C'est ton poste. Ah, à la fin, tu veux jouer avec eux? Ouais, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps? Ah non, c'est quelqu'un qui est blessé. Non, il y a faute. Nadim, tu connais aucune règle. Parce que tu fais du foot, tu connais pas une règle. Si. Je l'ai pas vu. Les gars, ça fait que 34 minutes. Non. Bah si. Oh, il faut qu'il marche. Tu as cru, mec, hein? Oui. Attention, Nadim, occasion. Nadim. Ah, 3 minutes et c'est la mi-temps. On va chercher des frites après. Oh. 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 On reste du coup. Attention, attention. C'était chaud là. Il faut tout pour la France. C'est bientôt la pause, tu veux manger quoi? Frites. Tu veux des sandwichs? Oui. Ah non, mais il n'y a que du cochon. Les gars, pause caca pour Nadim. En même temps, après, 2 barquettes de frites, 8 coca. Dépêche-toi, s'il te plaît. Je te jure, Nadim, si on prend un but, faut qu'il y ait un but ou qu'il y ait un truc comme ça et qu'on le rate parce que t'es en train de faire caca. Après, il fait bon ici, on est pas mal. Hein. Dépêche, frère, t'es là, tu souffles. Tu fais quoi, gros? C'est pour se laver les mains. C'est pour faire quoi? Nadim. Oh. Tu sais, c'est quoi ça pour de vrai? Non. C'est là que les gens, ils pissent. Ah.
Tu t'es lavé dans le pipi des gens. Mais oui, mais Nadim, regarde. Les gens, ils viennent, ils font pipi là. Je me moque pas de toi, c'est réel, Nadim. Les gouttes. Hein? Les gouttes. Bah c'est pour nettoyer quand il y a le pipi qui est là, pour pas que ça reste ici. J'ai mis pour les gouttes, moi, mes mains. Non, non, parce que t'as touché le truc orange, je t'ai vu. Bon, les mecs, Nadim, comme d'habitude, il a sa barquette. Le match, il a repris, c'est parti, go, 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 go. Les mecs, on est revenu un peu en retard parce que, vas-y, le gros sac, là. Le match, il vient de reprendre. Tu sais, il avait le joueur speed. T'as cru que c'était des speed, les numéros 9. T'abuses, toi. Wouah. Wesh, t'as vu comment il a été où? Allez, speed. Speed. Non. T'as failli marquer speed. Ouais. Ouais, tu t'en fous, toi, ça y est, frère. Ouais, Ça s'appelle comment? Hey Gaspard. Jasper. Ils disent quoi là? Ils disent quoi là-bas les ultras? Allez les blancs. Pas du tout. Allez les blancs. Tu l'aurais mise Nadim? Ouais. Ah ouais, tu dois avoir mal aux lèvres là. Ça brûle? Bah c'est normal, on va arrêter de manger des frites. Le choix il est fait mec. Il est en train de souffrir mais il mange. Ils disent quoi les blancs? Pas du tout. Ça t'a fait rire ça. Speed il est en place les gars. Dis quoi la dimension vite. Allez, pas du tout. 75ème, bientôt la fin Nadim. Tu sais j'ai pas froid, je peux même enlever. Non, c'est bon, calme-toi. Au calme. Mais si, il était où? Il était là, il est pas là. Mais il est pas rentré du coup, il avait la flemme. Ah ouais? Ils ont dit ouais, il a pas envie de jouer. Temps additionnel, 5 minutes les refs et c'est la fin. Oh oui! Oh oui, le contrôle! T'as dit que tu fais des contrôles comme ça? Ouais. Fin du match, victoire du DFCO 1-0 contre Grenoble, ok. Nadim, premier match que tu vois dans ta vie, est-ce qu'il est validé? Ouais. C'est vrai, c'était bien. En vrai, c'était bonne ambiance. Ouais. C'est quoi que t'as préféré, à part les frites? En vrai, j'ai pas aimé la musique. Après, on était pas en boîte. J'ai bien aimé Speed. Le numéro 9, je crois. Et en vrai, l'ambiance était cool. Est-ce qu'un jour, tu voudras finir footballeur? Oui. Je vous fais des bisous, les refs. Abonnez-vous, lâchez le petit pouce bleu et on se revoit très vite pour de nouvelles aventures. Bisous! Bisous!